Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats des mois d'août et de septembre. C'est une vidéo qui n'aurait pas dû exister puisque fin juillet, après les soldes, je m'étais dit que j'arrêtais les craquages vêtements, cosmétiques, tout ça, et que je tiendrais jusqu'à l'automne avant de peut-être me faire plaisir. Mais si je suis en train de faire cette vidéo, vous vous doutez que je n'ai pas respecté ce que je m'étais dit et je me suis quand même acheté quelques petits trucs durant ces deux derniers mois, mais franchement, il n'y a pas grand chose. On va dire qu'il y a eu deux craquages plaisir qui n'étaient pas nécessaires, mais bon voilà, j'avais envie de me faire plaisir quand même. Et sinon, il y avait quand même quelques petites bricoles utiles dont j'avais besoin. Et sinon, le plus gros de la vidéo que je vous présenterai à la fin, c'est un lot concours de folie que j'ai remporté sur un concours sur un blog. Mais on va se réserver donc le meilleur pour la fin et on va commencer tout de suite avec mes petits achats. Donc au mois d'août, la seule chose que je me suis achetée, c'était quand j'étais en vacances dans le sud sur un marché. J'ai craqué pour cette petite robe. Je vous insérerai une séquence où je la porterai et où elle sera repassée parce que là je l'ai lavée hier et elle n'est pas tout à fait sèche et elle est toute froissée. Donc je la repasserai puis je vous la montrerai portée, ça sera mieux. C'est donc une robe de couleur orange avec des petits motifs de marguerite, un décolleté cache-cœur là sur la poitrine, c'est très joli. Et puis elle est super légère, super fluide. Je l'ai vraiment trouvée très mignonne et j'aime beaucoup ces petites marguerites blanches sur fond orangé. C'est une couleur de robe que je n'avais pas et pour l'été c'est vraiment très joli. Et c'est un petit craquage qui m'a coûté 20€, donc bon, pour une petite robe d'été, ça reste raisonnable, je trouve. J'ai pas eu l'occasion de la porter, malheureusement, parce que ben, quand je suis revenue de vacances, bon, il a fait plutôt bon. On a eu un joli mois de septembre en Lorraine, mais bon, de là à porter une petite robe légère comme ça, quand même pas. Du coup, ben, j'en profiterai seulement l'été prochain, en espérant qu'il sera bien meilleur que celui de cette année. Le second petit craquage plaisir que je me suis fait pendant le mois de septembre, c'est sur le site VP. Il y avait une vente de lingerie de la marque Hunke Möller. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque de lingerie qui fait vraiment de très très jolies choses, mais franchement, c'est très très cher. Du coup, via le site VP, il y a quand même une bonne réduction, donc c'est quand même plus intéressant. Et alors bon, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai un peu une lubie là-dessus. J'ai envie de me faire plaisir en m'offrant de la jolie lingerie. C'est peut-être bête, mais moi je trouve ça plaisant et assez valorisant. Ça donne un peu plus confiance en soi, je trouve, de se trouver jolie avec de la belle lingerie. Donc bah voilà, je me fais plaisir tout simplement. Donc je vous montre quand même ce que j'ai acheté, mais bien évidemment je ne vous montrerai pas ça porté. J'ai complètement craqué sur cette petite nuisette couleur rose poudrée avec plein de détails de dentelle au niveau de la poitrine. C'est resserré sous la poitrine, donc ça marque bien la taille. Enfin, c'est vraiment très très joli, c'est fluide. Il y a un motif plume-tige, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je sais pas si vous le voyez, il y a plein de petits pois après sur le bas de la nuisette. Elle est vraiment super jolie. Et dans le dos, les bretelles font un effet croisé comme ça. C'est vraiment super joli. Et puis, il y a la petite culotte en dentelle assortie qui va avec. Donc voilà, j'ai complètement craqué sur ce petit ensemble. J'ai pas été revoir les prix que j'avais payés pour chaque pièce. Donc je vous les mettrai au fur et à mesure quand je vous montre les articles. Il y en a juste 3. Donc après le petit ensemble nuisette culotte, je me suis acheté un soutien-gorge noir avec des petits détails un peu bronze cuivré. C'est vraiment super joli. Il est canon ce soutif. Et on retrouve en dessous une petite bande de la même couleur que les motifs sur les coques. Donc franchement, il est canon ce soutif. Bon, par contre, il est très rembourré. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais là en dessous. Donc bon, ça fait un peu beaucoup de triche, on va dire. Mais bon, bah, ça fait une jolie poitrine. Et la dernière chose que j'ai prise sur cette vente Hunke Möller, c'est une brassière de sport noire, toute simple. Mais franchement, elle est très confortable. Elle maintient super bien la poitrine. Dans le dos, ça fait comme ça. Vous fermez en bas avec les crochets, puis vous pouvez régler la taille. Et franchement, ouais, super confortable, la poitrine est très bien maintenue. Je me mets un petit peu plus à faire de sport en ce moment grâce à des vidéos sur YouTube. Et c'est grâce à Laura de la chaîne L'Audace Makeup qui a recommandé dans plusieurs de ses vidéos de suivre les vidéos de sport d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Grow With Joe. Et franchement, c'est super plaisant de faire du sport en regardant les vidéos de Grow With Joe parce que c'est des courtes vidéos, enfin il y a vraiment de tout. Vous pouvez trouver des séances de 10-15 minutes comme une demi-heure voire une heure. Elle fait plein de styles de workout différents et moi j'adore les petites séances de 15-20 minutes en musique où on danse sur des chansons, enfin on danse et on fait des exercices un peu de fitness et tout, ça fait travailler tout le corps, c'est vraiment très sympa. Donc pour me motiver encore plus à continuer à faire ces séances de sport, je me suis acheté une nouvelle brassière parce que j'en avais qu'une de brassière, donc voilà, comme ça m'en fait deux.
On passe maintenant à des choses un petit peu plus utiles, on va dire. Chez Cora, il y avait des promos sur les compléments Juvamine. Donc moi, j'ai pris de la levure de bière. Je me suis dit qu'une petite cure de gélule de levure de bière pour commencer l'automne, ça serait pas mal. Je me souviens que j'en avais déjà fait une à l'automne dernier et ça m'avait plutôt bien plu. Donc c'est une cure de 50 jours, il y a 50 comprimés. Donc un comprimé à avaler par jour avec un grand verre d'eau. Et la levure de bière, c'est connu pour aider à améliorer l'état de la peau, des cheveux et des ongles. Donc ça leur fera pas de mal. Ça fait un petit peu plus de 2 semaines que j'ai commencé, il me semble, la cure. Je l'ai commencé mi-septembre, je suis même pas à la moitié encore. Donc bon, je peux pas dire que je vois trop d'effets. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça fera pas de mal à ma peau, mes cheveux et mes ongles. Donc voilà, c'était en promo. Du coup, j'ai payé 2,96€ la cure pour 50 jours. Donc je trouve que c'est pas trop cher. Ensuite, chez Leclerc, il y avait ce produit en promotion à 1,99€. C'est un gros flacon de 400ml. Et c'est le démaquillant biphasé waterproof micellaire Skin Breath Expert de Nivea. Comme j'avais plus de démaquillant biphasé pour les yeux dans mon stock, et bah du coup je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter et puis du coup de le tester parce que c'est un produit que je ne connais pas du tout. Et donc bah il remplacera mon biphasé Garnier quand je l'aurai terminé. Ensuite, les deux autres petites choses utiles que je me suis acheté, c'est chez Monoprix. Je me suis pris un petit déodorant compressé, donc de la marque Monoprix. C'est le déodorant fraîcheur 24h au thé vert, tout type de peau. Alors moi, ça fait des années que je suis passée à la pierre d'Alain pour mes aisselles, mais l'été surtout, il m'arrive d'utiliser des déodorants classiques comme ça en spray pour me rafraîchir au cours de la journée quand il fait trop chaud. Et en fait, eh ben, je me suis dit que ça serait pas bête d'avoir un petit déo comme ça dans mon casier au boulot. Si j'ai un petit coup de chaud pour pouvoir me rafraîchir, c'est quand même sympa. J'ai déjà un autre petit déodorant compressé, mais en fait, à chaque fois, je le laisse dans mon sac à main et je me le trimballe partout. Et puis du coup, ben, c'est un peu pénible. Donc ce sera plus simple si je laisse carrément un déodorant dans mon casier au boulot. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est une laque pour les cheveux, laque fixation normale de la marque Monoprix qui coûtait 2,29€. J'avais plus de laque pour les cheveux et c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours la semaine quand je fais mes queues de cheval pour le boulot. J'ai toujours plein de bébés cheveux qui rebiquent autour de la tête là, donc je les fixe avec de la laque. Donc bah, je testerai celle de chez Monoprix, pareil je n'ai jamais essayé, je connais pas. Voilà pour mes achats des mois d'août et septembre, donc franchement ça va, il n'y avait pas grand chose non plus. Ensuite donc on va passer à quelques petits cadeaux que j'ai eu avant de vous montrer le fameux lot concours. Donc ma mère m'a acheté des chaussettes et collants de chez Monoprix dans les toutes fins de solde, elle avait trouvé ça début août, c'était pas cher du tout et du coup bah, elle m'a acheté ça. Donc il y a une paire de chaussettes noires en pilou-pilou, là elles sont toutes douces, alors ça à mettre le soir en hiver pour regarder des séries Netflix tranquille sur le canapé, ça va être top. Donc c'était à 2€ au lieu de 8,99€ le prix de base. Ensuite il y a une autre paire de chaussettes qui était à 3€ au lieu de 9,50€ pour une paire de chaussettes, à la base c'est super cher, donc je pense qu'elles doivent être bien. Elles sont rayées de couleur un peu prune bordeaux, très sympa. Et enfin un petit lot de 2 collants à 2€, donc franchement pas cher non plus. Il y a un collant noir et un collant couleur prune. J'ai pas de collant de cette couleur donc c'est cool, ça va changer. Pour mettre avec des petites robes pulls noires ou des jupes, ça va être très très sympa. Et c'est des collants veloutés 50 deniers de la marque Monoprix. Ensuite, quelques petits cadeaux que j'ai eu au boulot, donc je vous montre ça vite fait. De chez Yves Rocher, il y a le shampoing douche au monoï de Tahiti, très joli, dont le packaging a été rechangé cette année, il me semble, parce que je l'avais jamais vu ce packaging. Donc bon, ça c'est le gel douche classique de l'été chez Yves Rocher. Ça sent trop trop bon, mais bon, du coup, je ne l'ai pas utilisé cette année, je vais le garder précieusement et je l'utiliserai l'été prochain. Et du coup, j'ai aussi eu l'huile sèche multi-usage, toujours au monoï de chez Yves Rocher. Et pareil, c'est un produit que je vais garder, que j'utiliserai l'été prochain. Et un autre petit gel douche que j'ai eu en cadeau au boulot, un bain douche senteur Mirabelle. Alors moi, j'adore la Mirabelle, hein, forcément, je suis une Lorraine. Donc la Mirabelle, c'est bien de chez moi, j'adore ce fruit et franchement, c'est très sympa.
cette odeur. Je pense que je vais l'utiliser cet hiver. Je trouve que c'est assez relaxant et réconfortant comme odeur. Donc pour l'automne-hiver, ça sera un très bon gel douche. Et c'est fabriqué à Lunéville, donc c'est chez moi, c'est mon département. Et ce petit produit bain douche était en fait dans un petit set avec une madeleine à la mirabelle. Et il y a aussi un petit sirop de mirabelle et une confiture de mirabelle. Donc voilà, j'adore la mirabelle, je suis une Lorraine pure souche. On va pouvoir maintenant passer à ce fameux lot concours de malade que j'ai donc remporté sur le blog d'Alicia. Donc elle tient le blog et la chaîne YouTube qui s'appelle Paulette avec 3 U. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, allez voir cette fille. J'adore lire les articles sur son blog, elle fait des super jolies photos, elle fait pas souvent des vidéos sur YouTube, mais franchement elles sont vraiment top à regarder ses vidéos. C'est une fille qui est très jolie, qui fait des super maquillages, elle se maquille super bien. Et puis en plus elle est super adorable, très gentille, donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog et sa chaîne YouTube. Donc Alicia avait fait une vidéo où elle se maquillait avec plein de produits de la marque Révolution Makeup, leur collection d'été. Elle avait fait un maquillage et testé plein de produits de cette collection donc dans une vidéo, et ensuite sur son blog il y avait un petit article associé à la vidéo où on pouvait du coup participer pour un concours et remporter toute une panoplie de produits de cette collection. Et donc j'ai eu la chance de remporter ce magnifique concours, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu vite fait. J'ai testé qu'une seule chose pour l'instant, mais bon, il va falloir que je me mette à tester activement tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses, donc je vais vous montrer vite fait sans m'attarder sur les produits puisque de toute façon je ne les ai pas testés. Alors on commence avec ces trois brumes fixatrices de maquillage. Donc il y en a une au watermelon, c'est pastèque, c'est la verte. La rose, c'est strawberry, c'est à la fraise. Et juicy orange. Donc trois sprays fixateurs de maquillage, donc à appliquer sur le teint. Donc j'ai pas encore testé. Et du coup bah, c'est parfumé aux fruits en question, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, il y avait 4 eyeliners colorés pastel. Alors ça, c'est le genre de produit que de moi-même jamais je n'aurais acheté parce que c'est quand même pour faire des maquillages un peu artistiques, très colorés. C'est pas ce que je fais le plus, mais j'ai fait un maquillage avec ce liner jaune qui s'appelle Lemon Yellow. Je vous mettrai en lien dans la description, si vous voulez, l'article maquillage que j'ai fait avec ce liner, si vous voulez voir ce que ça rend. Et les trois autres couleurs, c'est Sky Blue, Baby Pink et Sweet Lilac. Donc un petit violet, un rose et puis un bleu. Donc des couleurs pastel pour faire des liners colorés. C'est sympa, ça change. Il faut que je me lance, mais j'ai bien aimé en tout cas ce que j'avais fait avec le jaune. Pour rester un peu dans les genres d'eyeliner, j'ai aussi ce kit de peau. Alors c'est des eyeliner cake, je crois qu'on appelle ça comme ça. Il faut humidifier son pinceau, en fait, humidifier la matière pour pouvoir créer des eyeliner. Et donc on est toujours dans les mêmes styles de couleurs, il y a un jaune, un bleu, un rose et un violet. J'ai jamais essayé d'eyeliner en peau sous cette forme, donc ça sera à tester aussi prochainement. Ensuite il y a un kit de pinceaux, il y en a 5, donc un petit pinceau je pense plus pour appliquer du blush, et puis des pinceaux pour les yeux, je sais pas trop, je pense qu'on peut les utiliser pour le teint aussi parce qu'ils sont quand même assez gros. Le jaune je pense que pour faire le creux de paupières ça peut être très bien. Le orangé je le vois bien pour appliquer de l'highlighter, je pense qu'il a la bonne taille pour. Et puis les autres pour appliquer, peut-être celui-là plus pour appliquer des fards en aplat sur la paupière et celui-là pour flouter les bords. Ensuite il y avait 3 palettes pour le teint, donc des duos de palettes, je crois que c'est des duos bronzer et blush il me semble. Alors là j'ai la teinte Scorch Rose avec un espèce de blush un peu abricoté et plus un highlighter je pense. Je crois que j'ai pas mis mes doigts là-dedans encore, j'ai pas swatché. Je verrai si je peux vous inclure des swatchs dans la vidéo ou pas. Là j'ai pas le temps de le faire parce qu'il faut que je parte au boulot juste après. La deuxième palette c'est la Peach It. Alors celle-ci, elle est dans des couleurs un peu plus foncées. Donc là, on a un très joli blush qui, comme ça, moi j'ai l'impression, fait penser un peu au Orgasm de Nars. Mais bon, je l'ai pas. Donc je suis pas tout à fait sûre de ce que je dis. Mais c'est un joli blush plein de reflets. Et puis là, une teinte un peu plus pour faire du contouring, un bronzer, je pense. Et la troisième palette, c'est la Midnight Sands. Et je crois que celle-ci, c'est la plus foncée, si je dis pas de bêtises. Je pense que celle-ci, elle est plus pour les peaux noires. Je sais pas trop ce que je pourrais en faire, moi. C'est quand même très très foncé. Là, je pense que oui, c'est plus vraiment pour faire un contouring sur les peaux noires. Et puis là, on a un espèce d'highlighter ou de blush, mais très très doré.
À la limite, pourquoi pas utiliser ça sur mes yeux, moi. Mais bon, on va attester. Et les deux dernières choses, je vous avais dit, c'était vraiment un super lot. C'est deux palettes de fards à paupières. Donc, il y en a une petite comme ça, avec 9 fards. C'est la référence Tropic Pink et donc bah, des petites couleurs très sympas pour l'été. Bon, je crois qu'on voit que j'ai déjà mis mes doigts dans certaines teintes, mais j'ai pas encore utilisé cette palette. Et ce qui est chouette, c'est que malgré le nombre impressionnant de palettes de fards à paupières que j'ai, je pense que là maintenant je dois en être pas loin d'une cinquantaine, il y a des couleurs que je n'ai pas. Je n'ai pas du tout de fards rose et violet mat comme ça, donc c'est cool. Et la pièce maîtresse de ce concours et le produit avec lequel Alicia s'était maquillée dans sa vidéo, c'est cette très très grosse palette, la Forever Limitless, donc de la collection Neon Heat. Elle est vraiment très très grande cette palette, avec un grand miroir et les fards, bah voilà, c'est canon, c'est hyper coloré. Faire des beaux make-up colorés l'été, franchement c'est chouette. J'ai pas encore testé cette palette encore une fois, mais il va falloir que je le fasse et que je trouve des associations à faire avec ces couleurs. Et franchement, il y a plein de couleurs que j'avais pas du tout dans mes palettes. De toute façon, je pense que ça c'est la palette la plus colorée que j'ai maintenant dans ma collection, parce que j'ai quand même plus de palettes de fards neutres que de colorés. Et ouais, j'avais pas de coloré comme ça. Et puis tout ce qui est mat aussi, les violets, orange mat, rose mat, c'est des fards que j'avais pas du tout. Donc franchement, j'ai hâte de tester. Et je remercie encore une fois Alicia pour ce magnifique lot. Franchement, je n'en reviens toujours pas d'avoir gagné tout ça. Et elle m'avait aussi glissé deux petits échantillons avec ce lot. Donc un échantillon de l'eau de toilette Flower by Kenzo et des petits échantillons d'anticerne et de fond de teint Sephora. C'est les derniers qui sont sortis, les Best Skin Ever. Et j'en avais déjà eu aussi avec une commande Sephora. Donc du coup, j'ai deux échantillons comme ça à essayer. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté vous dernièrement. Est-ce que vous avez beaucoup craqué ou pas? Il ne me reste plus qu'à vous faire tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !